Donc, moi, je suis kinésithérapeute dans le service de réanimation médico-chirurgicale de l'hôpital Erasme, un peu plus au nord que Montpellier, à Bruxelles. Alors, les pathologies qui conduisent les patients en réanimation, comme un polytraumatisme ou une intervention chirurgicale ou une dysfonction d'un organe, et la réanimation en elle-même, nous l'avons vu, hein, la mise de caté, la ventilation mécanique, l'intubation, les soins, sont des sources fréquentes de douleurs, et des douleurs qui sont vécues par les patients d'intensité modérée à sévère. Et plus le séjour se prolonge en soins intensifs, plus des soins qui étaient perçus comme légèrement douloureux deviennent très douloureux. De nombreuses études ont montré l'intérêt d'une prise en charge globale, ça veut dire médicamenteuse mais aussi non pharmacologique, de la douleur en réanimation. Et donc il y a différentes techniques qui sont intégrées dans les soins, dans le parcours de soins des patients douloureux, afin de prévenir et de soulager ces douleurs, mais aussi de l'anxiété liée à celle-ci. Alors on a parlé pas mal de mobilisation, il y avait juste une chose que je voulais peut-être un peu préciser, c'est qu'un patient qui est hospitalisé en réanimation, il passe beaucoup de temps dans son lit, même si on fait beaucoup de choses avec lui, immobile. Et il faut savoir que la première cause de douleur chez le patient au repos, c'est justement cette immobilisation. Elle est due au fait que le patient ne bouge pas, elle est due aussi au sepsis et à l'inflammation. Et ces douleurs, elles sont ressenties dans le dos, dans les membres et dans les articulations. Donc je pense que remettre le patient en mouvement, favoriser une activité physique, va lui permettre aussi de se décentrer, de se défocaliser de sa douleur. Alors on peut parler du toucher massage, de la relaxation, du yoga, de la sophrologie, de la musicothérapie, même du TENS. Mais le sujet que je veux aborder aujourd'hui est en fait l'introduction de l'hypnose dans nos services de réanimation. Alors je vais vous faire un bref aperçu historique de l'hypnose. Donc il faut savoir que déjà il y a 3000 ans, dans la préhistoire, les guérisseurs chamaniques utilisaient certains rituels qui sont assez proches de l'hypnose. Plus tard, dans l'Antiquité, on avait dédié à Esculape, le dieu de la médecine, donc dans l'Antiquité grecque et égyptienne, des temples du sommeil, où les médecins soignaient par l'interprétation des songes et par de la suggestion. Il faut attendre un peu plus tard, au Moyen-Âge, pour que de nouveau, les druides, partout en Europe, utilisent des techniques qui sont très proches de ce qu'on va utiliser en hypnose moderne. L'hypnose, vraiment, comme technique thérapeutique, va être introduite par Mesmer, pas le même Mesmer que vous voyez à TF1 et qui projette les gens par terre. Mesmer, c'est un médecin autrichien, viennois, qui a été exilé à la cour de Louis XVI et qui utilise la suggestion indirecte pour traiter les patients. Plus tard, dans un amphithéâtre, Jules Cloquet a mis devant une assemblée comme ici, a mis une personne en hypnose, une patiente, et a réalisé une mammectomie. Et la personne n'a rien senti. Et donc, c'est sur ces bases-là qu'on est parti sur l'hypnoanalgésie. Et ça a été très, très fort développé par Esdai, qui est un médecin qui travaillait à Calcutta. Et il s'est rendu compte qu'en utilisant l'hypnoanalgésie, on avait une diminution très, très importante des risques et des complications périopératoires, qui diminuaient de 40% à 5%. Et donc, il a développé des séries de cas allant jusqu'à plusieurs milliers de patients. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend un petit peu sur quel point de vue on se place, l'avènement de l'anesthésie chimique, qui va être beaucoup plus fiable et beaucoup plus reproductible, va mettre en veilleuse l'indication de l'hypnose. Et il faudra donc attendre l'arrivée de Milton Erickson au milieu du XXe siècle pour revoir un renouveau de l'hypnose. Alors il faut savoir que les théories de Milton Erickson sont en fait basées sur les théories de la communication qui ont été développées à partir des années 1950 à l'école de Palo Alto et qui nous apprennent en fait que le langage est basé sur trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est le langage verbal, c'est le choix des mots, les mots qu'on utilise et qui constituent en fait le fond du discours. La partie la plus importante, comme vous pouvez le voir ici, c'est en fait la forme du discours. Cette forme du discours, elle est basée sur le langage paraverbal qui comprend la modulation de la voix, l'intensité de la voix et aussi le débit des paroles. Un autre point qui est très important, un autre élément qui est très important, c'est le langage non-verbal. Donc c'est la manière dont on utilise ce corps, son corps et les déplacements du corps dans l'espace. Et il faut qu'il y ait une congruence entre la forme et le fond, entre ce qu'on dit et la manière dont on l'exprime. Et c'est super important pour qu'on soit crédible dans le message qu'on va faire passer aux patients.
Un autre point important qui a été mis en évidence par l'école de Palo Alto est la notion de biofeedback. Et donc ce feedback, en fait, c'est l'importance de voir si le patient a bien compris le message qu'on voulait lui délivrer. Pas uniquement le patient, aussi la famille et l'entourage. Et donc ce qui est important dans la communication, ce n'est pas seulement ce qui est dit par l'émetteur, mais aussi ce qui est compris par le récepteur. Donc c'est très important, si on voit que le patient n'a pas tout à fait bien compris, de reformuler ce qu'on a dit ou de modifier notre discours. Donc je vous parlais de Milton Erickson, qui a une vie extraordinaire et qui a pu mettre en pratique toutes les techniques de l'hypnose. En fait, c'est comme ça qu'il a mis au point le renouveau de l'hypnose. Il était daltonien, il n'entendait pas la musique, il a été paralysé complètement pendant toute une période de sa vie avec une attaque de poliomyélite. Et il a retrouvé la capacité de bouger, de marcher en observant les animaux, parce que c'était le fils d'un paysan aux États-Unis. Et donc en observant aussi le comportement de sa petite sœur. Et donc on verra que la part d'observation en hypnose est vraiment très très importante. Et donc ce que Milton Erickson a mis en évidence, c'est que chacun d'entre nous, nous avons la capacité de retrouver des ressources qui sont en nous, mais pour lesquelles nous ne sommes pas conscients. Et donc, au sein de la relation qui va s'établir entre le patient et le thérapeute, grâce à cette relation, on va pouvoir trouver en soi des ressources pour aboutir à la solution du problème. Alors, ce que l'hypnose n'est pas, je vous parlais de Mesmer, l'hypnose traditionnelle ou l'hypnose de cirque, qui est basée surtout sur la suggestion directe. Et on sait qu'elle n'est pas efficace parce qu'elle n'est possible que chez les sujets qui sont suggestibles, donc chez 20% des sujets. Et alors, ce qui est très important aussi, c'est que dans cette hypnose, ça induit en fait un mode de comportement extérieur. C'est le thérapeute ou l'hypnotiseur qui va imposer son pouvoir sur l'autre et ce n'est pas des ressources qui vont être exploitées à partir de son vécu. Alors l'hypnose, c'est quoi? C'est un état dans lequel on entre et on sort très fréquemment au cours de la journée, un état tout à fait banal. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a toute une partie d'entre vous qui pensent tout à fait à autre chose, qui se demandent ce qu'ils vont manger ce midi ou ce qu'ils vont faire quand ils sortiront de la conférence. C'est aussi l'état dans lequel on se retrouve quand on a une lecture intéressante ou quand on conduit sa voiture, qu'on sort de l'hôpital et puis on rentre chez soi, on est chez soi, on n'a pas eu d'accident. Et on se rend compte qu'on n'a pas pris le chemin. On ne sait pas du tout quel chemin on a pris pour arriver chez soi. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel, de tout à fait banal. On est ici et on est un petit peu ailleurs en même temps. Alors, l'hypnose, elle était définie par Milton Erickson comme un état modifié de la conscience. Ce n'est ni un état de veille, ni un état de sommeil. C'est une dissociation entre la partie consciente et la partie inconsciente du cerveau. L'hypnose intègre donc une dissociation psychique et une activation corticale, tout en privilégiant la relation qu'il y a avec le thérapeute. Et c'est un état qui va permettre au patient de pouvoir changer la façon dont il perçoit son corps, mais aussi la façon dont il perçoit son entourage. Et l'hypnose va pouvoir ainsi permettre au patient de mettre une perception douloureuse à distance de lui et d'en diminuer son intensité. Alors l'imagerie cérébrale fonctionnelle nous a permis de voir que lorsque le patient était dans un état d'hypnose, on avait une modification du débit sanguin avec une majoration du débit sanguin au niveau occipital, donc au niveau de la vision, au niveau central, au niveau du mouvement, mais aussi au niveau préfrontal et singulaire. Donc c'est les zones qui sont responsables de l'élaboration de l'image mentale, mais aussi les zones qui sont responsables de l'énergie qu'on va mobiliser pour avoir cet effort d'attention. Ce qui fait que le patient n'est pas seulement un acteur de ce qu'il vit, mais aussi un observateur. Et donc c'est ça qui va permettre au patient de se mettre un petit peu à distance. Alors l'hypnose, on l'a utilisée d'abord dans la psychothérapie. Et puis on s'est rendu compte, grâce à son action au niveau de la diminution de la douleur, donc en analgésie et en anxiolyse, qu'on allait pouvoir ouvrir le champ des possibles avec l'hypnose. Et c'est comme ça qu'on a introduit ça au quartier opératoire. Il y a pas mal de centres, notamment à Liège, en Belgique, où ils utilisent l'hypnoanalgésie pour beaucoup d'interventions chirurgicales, mais aussi dans les ambulances de SMUR, dans les salles d'endoscopie et aussi en réanimation. Alors, lorsqu'on observe un patient, qui ici ce jeune petit garçon, qui est en état d'hypnose lors d'un soin douloureux, il y a certains signes cliniques qui peuvent nous imaginer qu'il est dans un état d'hypnose, qu'il est déconnecté. Donc, ce qu'on observe d'abord, c'est un grand relâchement musculaire. La respiration est calme, elle est profonde. On peut avoir une catalepsie,
ou une lévitation du bras. On va aussi avoir soit quelqu'un qui va être tout à fait perdu dans son imaginaire, ou bien qui va avoir une sensibilité qui va être exacerbée avec une perception du monde extérieur qui va être totalement différente. Et donc ce sont tous des indicateurs qui peuvent nous permettre de voir que le patient est en hypnose. Alors lorsque ce sera au cours d'un soin douloureux ou en réanimation, on ne va pas utiliser l'hypnose dans un procédé bien structuré. On va plus utiliser l'hypnose conversationnelle ou bien évoquer un souvenir agréable pour essayer de distraire le patient, puisque c'est ça qui va permettre au patient de se défocaliser de la douleur. Alors ici, c'est pour vous expliquer que donc, le processus hypnotique avec les différentes phases, je ne vais pas l'aborder ici, mais on peut adapter très bien l'hypnose dans la manière de la prise en, dans notre prise en charge de patients qui sont soit dans des situations anxiolytiques, soit dans des situations douloureuses, comme par exemple lors de la mise en place de la ventilation non invasive, ou au moment de l'aspiration, ou au moment du sevrage et l'extubation. Et c'est surtout par la relation qui va exister entre le thérapeute et le patient, par cette impression du patient d'être écouté, d'être observé, qu'on va pouvoir faciliter des actes qui sont douloureux. Alors, pour comprendre la manière dont la douleur, qu'elle soit chronique, aiguë ou due aux soins, va fonctionner chez le patient, j'ai repris la définition qui est proposée par l'Association internationale de l'étude de la douleur. Et donc, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en termes d'un tel dommage. Donc c'est important cette définition parce que ça affirme à la fois la dimension sensorielle indissociable, mais des dimensions affectives, émotionnelles et psychologiques. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la douleur est toujours subjective. Quelque chose qui ne vous paraît pas douloureux peut être insupportable pour quelqu'un d'autre. Et ça c'est vraiment très très important. Et donc, quand on va mettre un patient dans un état hypnotique, quand on va lui rappeler un souvenir, je ne sais pas, au bord de la plage, avec les palmiers, qu'on va stimuler un peu tous ses sens, on va le défocaliser de la douleur, et il va y avoir à la fois une diminution de l'intensité, mais aussi de la sensation désagréable de la douleur. Il faut savoir que toutes les douleurs vont avoir le même impact sur les perceptions de l'individu qui souffre. L'individu qui a mal va être concentré sur sa douleur, il va se replier sur lui-même, ce qui le fait sortir complètement du mouvement habituel de la vie, en réduisant son monde à la douleur et à elle seule. On peut donc considérer que le patient est aussi dans un état de transe hypnotique, mais dans ce cas-là, il s'agit d'une hypnose négative. Quand la douleur est aiguë, elle finit par occuper tout le champ de perception du patient. Le patient et le monde se ferment sur la douleur. Quand la douleur est chronique, il y a une focalisation sur la douleur quand la crise est là, mais aussi sur la douleur quand elle n'est pas là, puisqu'on trouve une anticipation anxieuse de la prochaine crise. La douleur ne modifie pas ainsi seulement la relation du patient à son propre corps, mais aussi aux autres et au monde qui l'entoure. Alors je vais vous poser ici un cas un peu plus concret d'utilisation de l'hypnose dans la prise en charge d'une ventilation non invasive qui peut être à la fois douloureuse et anxiogène chez un patient qui est déjà un patient victime, traumatisé, qui arrive soit par les urgences, soit en réanimation, qui est déjà dans un état dissocié, où tout ce qu'on va lui dire, si c'est fait d'une manière agressive, ne va faire qu'augmenter son angoisse. Donc on va individualiser, il n'y a pas de code à cette prise en charge, c'est vraiment une prise en charge qui va se faire sur l'attention qu'on porte au patient. Et donc on va déjà adapter le ton de la voix, on va avoir une voix un petit peu monocorde. Ce qui est important aussi, c'est d'établir des pauses dans le discours qui vont permettre au patient d'être à l'écoute de l'autre, mais aussi de son propre corps. Il faut aussi adapter le rythme du discours à la respiration du patient. Et généralement, il est convenu qu'on parle sur le temps expiratoire. Ça permet aussi au patient de prendre conscience de cette relation qui existe entre lui et le thérapeute. On va aussi utiliser des comportements non-verbaux du patient. Donc, si on observe certains mouvements que le patient va faire, on va montrer qu'on les a observés, qu'on les a vus et qu'on les prend en considération. On va utiliser des suggestions indirectes et non pas directes, qui sont beaucoup plus respectueuses des besoins du patient. On va aussi donner au patient des permissions. On ne va pas lui dire « respirez calmement, vous allez vous relaxer ». Non, on va lui dire « à votre rythme, quand vous en aurez envie, vous allez progressivement vous détendre et vous sentir un peu plus confortable ».
On va utiliser le principe de dissociation, ce qui va permettre aux patients d'être à la fois à l'écoute des bruits extérieurs, dans un service de réa aux urgences, ce n'est pas toujours le plus agréable, mais aussi d'être à l'écoute de son corps. Et on va aussi créer un endroit sûr, donc l'évocation d'un souvenir agréable, d'un moment où il se sent en sécurité, où il est en action généralement, c'est un moment comme ça qu'on choisit. Donc se mettre dans un état hypnotique a comme unique objectif de mettre en relation l'être humain avec la totalité de son corps, de son espace et de son savoir, qui sont les éléments constitutifs de son monde. Entrer en relation avec son corps est la condition nécessaire pour guérir. Alors soigner en hypnose, c'est changer la sensorialité du patient. Le patient, généralement, il essaie de comprendre son problème. Il est dans un monde de raison, d'intellect, d'objectivité, de contrôle. Le rôle du thérapeute va être de changer sa perception et de le mettre dans un monde où il y a plus d'imaginaire, où il y a du paradoxe, de l'étonnement. Parce que c'est dans ce monde d'imaginaire qu'il va pouvoir changer, qu'il va pouvoir bouger, qu'il va pouvoir ressentir certaines autres choses qui vont lui permettre d'évoluer, de trouver des solutions auxquelles il n'avait pas pensé précédemment. Alors je vais juste passer rapidement pour expliquer un petit peu les fondements scientifiques de l'hypnose. On a vu que quel que soit l'influx douloureux, il entrait directement par la moelle épinière, il remontait jusqu'aux structures sous-corticales et corticales. Ce qui est important à savoir, c'est que quand on met un patient en hypnose, ou bien en distraction, ou en visualisation, on se rend compte qu'il y a une modulation de l'activité des différentes zones corticales qui sont responsables de nos modifications dues à l'influx douloureux, et notamment au niveau singulaire antérieur. Et donc on a vraiment une modulation de cette zone corticale qui va modifier le rythme cardiaque, qui va modifier la fréquence respiratoire. Alors pour conclure, traiter la douleur, c'est l'aborder dans ses manifestations objectives et dans ses conséquences au sein de l'existence du patient, à la fois pour soulager et pour prévenir. Dans cette perspective, de nombreuses recherches ont mis en évidence l'intérêt de l'hypnose dans le domaine de la douleur, qu'elle soit aiguë, chronique ou liée aux soins, tant chez l'adulte que chez l'enfant. Et ainsi, à travers la relation hypnotique, de multiples stratégies permettent d'orienter le patient vers ses propres ressources, permettant ainsi d'avoir accès à l'individu douloureux et non à la douleur de l'individu. Je vous remercie pour votre attention.